Bonjour donc, on est à quelques minutes du début de l'atelier. Je voudrais dans un premier temps vérifier que tout le monde est capable de m'entendre correctement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, lever la main que vous trouvez au niveau des options personnelles? Si c'était possible de, voilà, merci beaucoup. OK, s'il y a quelqu'un qui a un problème. D'accord, une petite seconde, il y a quelqu'un qui a un problème, je vous reviens dans une minute. Pour. Oui, non, excusez, je reviens. Alors, juste des petits rappels très rapidement avant de commencer. Vous avez donc des outils. Vous avez ici, je vous présente les outils, les principaux outils pour pendant l'intervention. Vous avez donc, je vais aller chercher ma flèche, voilà. Vous avez donc le micro qui devrait être ouvert, ça doit être en vert pour que ce soit actif. Vous avez ensuite le microphone qui doit être aussi ouvert. Oups, Hélène, je vais te couper la parole. Voilà. Qui doit être aussi en vert pour lorsque vous prenez la parole pour pouvoir effectuer une intervention directe. Vous avez aussi comme outil rapidement, si vous avez des problèmes d'audio, vous pouvez, évidemment, vous m'entendrez pas là, présentement, mais si vous avez des problèmes, faites une configuration audio rapide pour régler ce. Généralement, ça règle 90% des problèmes. Si le tout persiste, je vous invite à communiquer directement avec VIA. Vous pouvez aussi utiliser le clavardage en sélectionnant tous les utilisateurs ou un nom d'utilisateur en particulier. Vous pouvez vous adresser, vous pouvez donc avoir des conversations privées si vous désirez. Je viens d'avoir un autre petit message de problème de la part d'un de notre. OK, c'est bon. Donc, tout le monde est là, nos présentateurs sont là aussi. On va commencer. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue et à l'atelier de la CCT. Avant, j'aimerais aussi rappeler d'abord que l'atelier est enregistré et que l'enregistrement commence donc oui, est en cours. Et de même que les interprétations sont également enregistrées. Les codes qui vous ont été envoyés vous donnent accès aux activités auxquelles vous êtes inscrit. Et comme je le disais dans le message, si vous êtes inscrit à d'autres ateliers, à un moment donné, ce sera toujours les mêmes codes d'accès pour accéder à VIA. J'appelle à ceux et celles qui utilisent le service d'interprétation que pour faire une intervention, vous devez utiliser le microphone de votre ordinateur. C'est toujours par l'ordinateur que toute l'information, toutes les interprétations vont se faire. Lorsque vous intervenez, pour faciliter le travail des interprètes, il serait préférable d'avoir, si possible, un débit moyen ou qui n'est pas excessivement rapide. Et puis enfin, j'aimerais remercier notre commanditaire SVIE Solutions pour nous permettre d'utiliser
leur outil de webconférence VIA. Cette troisième série d'ateliers vous invite à explorer les pratiques de conception pédagogique dans le monde. Aujourd'hui, nous visitons les Pays-Bas et l'Espagne. D'une durée de 10 à 15 minutes chacune, les présentations seront suivies d'une période de questions. D'abord, M. Copper abordera le thème Réinventer le système éducatif des universités à distance, le cas de l'Université ouverte des Pays-Bas. Après une période de questions d'environ 30 minutes, M. Maynard présentera ensuite le deuxième thème, le concepteur pédagogique en Espagne, portrait d'une profession émergente, néanmoins en transition. Monsieur Copper est professeur à l'Université ouverte des Pays-Bas, où il se spécialise dans les innovations en éducation. Auparavant, il était doyen du Center for Learning Science and Technologies de l'université, un centre de recherche qui vise à élaborer, mettre à l'essai et diffuser des solutions durables et factuelles afin de favoriser les progrès dans les domaines de l'éducation, de la formation et du perfectionnement professionnel et des expériences d'apprentissage au travail, à l'école, à la maison et lors des déplacements. Les recherches du Dr. Copper portent principalement sur quatre sujets en ordre chronologique: le soutien d'éthique à l'apprentissage en ligne, la modélisation éducative, les réseaux d'apprentissage auto-organisés et distribués, et l'amélioration du rendement des programmes d'apprentissage en ligne et des établissements à distance. Le Dr. Copper a participé à des dizaines de projets internationaux de collaboration et a écrit plus de 200 articles scientifiques sur l'apprentissage en ligne. Je laisse donc, sans plus tarder, la parole à Monsieur Copper. Je donne aussi le droit d'animation à Monsieur Copper, qui est maintenant en ligne. Bonjour. Okay, thank you very much for this introduction. I will be speaking English and I think that you have translation. That's true, hein, Carol? Okay. I have to start my slides, and this is the way I do this. Okay. I hope you can see the slides. I will be talking very short to you, but I have a couple of slides, about 14, which introduces you to this topic, reinventing the educational system of distance teaching universities, and so especially focusing on our university. I'm sorry, I have to interrupt you a little bit. It could be that you will have to close your camera. There's a lot of, it's slowing down a lot. Thank you. Is it better now? Okay. I continue. Introduction. In a few words. Distance teaching universities communicate with students through distance media. People are separated in space and time. And this makes distance teaching universities very sensible for changes in technologies, more than residential universities. So when the distance media are changing, the educational model of the university should be changed. And changing the educational model in a distance teaching university is a change in its core process, which also means that the business model of the university is fundamentally changed. And when you do not change this model, and when you do not want to go this far that you change the business model of the university, it will never be successful. And so I will present you very in about 10-15 minutes, the case of the Open University, some fundamental problems we had in 2008, and we are working on solutions up until now in order to change this business model of our university. Who I am is already presented. I will tell you the context of our research.
The OUNL, Open University of the Netherlands, is a public open distance teaching university, recently young, started in 1984. It provides bachelor and master programs using various media. Currently, it has 18,000 students in the bachelor and master programs. There are also a lot of PhD students, but most of them are residential in the research groups. Our research, besides the disciplinary research, is focusing on innovation of education. The Center for Learning Sciences, which was mentioned earlier, was focusing on this innovation of education idea. And currently there has been a reshifting that some other groups are connected to it and is now called the Welton Institute. The educational concept has been from the start guided self-study. That means that people can enroll when they are 18 plus without any selection, without any required diplomas or degrees. People have freedom of place, of time, and of tempo. They can study when they want, what they want, and they can choose to do examinations or not. So, no constraints. The problem in 2008, but we had, of course, a lot of problems before already. In 2008, we were aware of the following things. From 1995, we had our first internet site on. This is for very early days, internet. In 1997, we decided to go online for all our programs and courses. But still, in 2008, there was still a lack in the transition to online course delivery. A lot of courses were still not fully online delivered on, so the primary media for this course was a course package loaded with books, which were sent through the postal system to the students. And there were additional websites, but these websites were not the core of the educational system. So it was pre-designed course materials in books, which students have to read at home alone. There was still a lack of standardization of infrastructure. So a lot of learning management systems were around, a lot of tools, gaming tools, etc., which did not integrate very well. There was no systematic strategy to mainstream innovations. There's been a lot of research. There have been built a lot of prototypes, a lot of experiments have been implemented at small scale. But how do we do this institute-wide for all the faculties, for all the courses, for all the programs? How do we mainstream? The fourth problem was that the strategic position of the OU in higher education was discussed at the national level. So when all the residential universities say that they are also in e-learning and that they can easily do this, so what is then the exact function of an open university, a distance teaching university in this landscape? This discussion started in 2008 and has ended only 1.5 years ago. And then the fifth point to mention is that we had some projects and funding for open educational resources, OER, and currently we're also working on MOOCs, but in 2008, especially the OER, was set separate from the rest of our education, and it cost quite a lot. And there was a lot of political expectations of the Open University to provide OER for society. And so how should we deal with this issue? So what we decided then is to create a new business model. As I told you, changing the educational model and pressure on it will require that we change the whole business model of the university. So we took the format of Osten Waldorf, which you see here in this this slide, which says that when you change the business model, you have to change at least four things: the infrastructure, the offer, the customer,
and the finance. Starting, of course, with the customer. What type of customers do we address? And what do we offer? What value proposition do we have for these customers? What infrastructure and partnerships are adequate to provide this offering to the customer? And also on the financial part, how is this financed? I already told you about the OER. OER costs a lot of money, but the government is not able to provide this budget for us. So when we want to pay for this, we should save some money from other expenditures. What we did, I now run through these different aspects of this model. So I look at what are the customers. You can see this. I look at the customers at the moment. And we decided to split our target group in four different groups. We named them by a color. White users, gray users, blue users, and green users. Starting with the green users here in the center, these are our regular bachelor and master students. This is the core of the university. This is the core of our offering. This is our main target group. But also, we wanted to provide services for lifelong learners, especially adult lifelong learners, continuing professional development. For people who are requiring shorter programs than the programs which we traditionally offer in the bachelor and master degrees. Then there's the group which we call the gray users. These are the ones who are typically provided with courses, free courses mainly, and also other types of social tools and offerings. For which they are only required to register with their name to the system. So we know who they are, but all the offering is free. So MOOCs, OER materials, which needs registration, etc. And there is the white users. The white users are the ones who access the website without any authorization. And so because of privacy and other issues, these have limited access to course resources and other resources, but also these people can access some of the OERs, some of the free courses, etc. So what do we offer to all these groups? You see here a kind of table. I will not go deeply into this. This is the green, blue, gray, and white users. These are the access restrictions. And these are the products and services they get. I already told you that the white users have open access, and they get these type of facilities which are mentioned here at the left. Then I look at the infrastructure. We developed a complete new infrastructure, which is called OpenU, which typically is a portal system which integrates all the existing systems and adds new functionalities to this one, to the existing facilities. And to mention seven of them, there is a personal dashboard which provides a personal view on all the learning offerings, social offerings, and activities in the network. There's an online catalog of educational offerings, not only from the Open University, but also from some external parties. There is a credit point and voucher system. People, for instance, when they provide peer support, can get some credits with which they can buy educational resources. It's a kind of token economy system to stimulate, especially peer support. We integrated a new collaborative course development system and delivery system, a user profile and social system. People can search each other, contact each other, work together with other students, and create informal networks. There's a learning analytics system
to monitor student progress and also to provide feedback to the progress of students themselves. And we added various learning network services like peer support services. People can, for instance, in the network, ask a question, and then the question is routed through the network to several peers, which can answer these questions. And the network takes care that the load to the students is balanced, so not everybody gets the same amount. Not some experts get all the questions, but everybody gets some of them. You can have a look at this portal at this web address here, but I have to warn you because all the content is in Dutch. The only thing which can be changed in language is the interface. Then the finance part of the Osterwalde business model. So what about OERs and MOOCs? How do we pay for them? And the solution we had was not to separate them from the regular course development, but to integrate it by developing advanced access right tools within the collaborative course development tools. So when we build a regular course for students, we at the same time have easy facilities to create the OER versions of it. And you can see this in this interface, which is partly in Dutch at the left, but at the left you see some course structures. This is part of the total user interface. And to the right you see some colors which are pointing to the circle, the four target groups I mentioned earlier, the white group and the green group and the blue group. So you can see here the welcome part is accessible and for the white users, this part, because here's a white bullet specified. Just by clicking on it, you change this color. And this means that welcome is visible for everybody who visits this course. The introduction is also visible for everybody in this course. And I didn't click or opened all the study tasks, but there are subtasks in here which are also open to everybody, so without logging into the system. So this is you can have a view on about 10% of this complete course and do some of the study tasks of this complete course without enrolling as a student or without having a subscription. You see a green access right, and that means this is only accessible, this study task, for students and nobody else, for enrolled degree students. This one is blue. And this means this is open for students and for people who have taken a subscription, a yearly subscription. And the people who subscribe to the education can have access to all the courses except the teaching facilities, the tutoring facilities. So they cannot send in assignments and they cannot have feedback from teachers on these assignments. And they are not graded. But for the rest, they can study everything themselves and they can use the peer support tools and communities around it. I should say that there's only... I'm almost finished. Where are we now? This is, I think, even my last slide. There is 20,000 people registered in the system at the moment, of which 900 people are studying for a degree, are green users. All courses use the advanced rights management system we offer of OER, so there are quite a lot of OER materials in the system. Social interactions are increasing, like blogging, people inviting and communicating with peers, because we stimulate this also within courses and in other activities. And we have done many different experiments with new instructional design formats, new pedagogical formats, new technologies within this integrated system. And the big challenge now for us, and this is my last slide, is we implemented this now in two of our faculties, the Faculty of Education and the Faculty of Informatics, Computer Science, but how to mainstream this to the other faculties. There are four other ones.
And the discussion about this mainstreaming has already taken 2 years. And finally, a couple of months ago, it's agreed upon to implement and reform the educational system and business model and underlying infrastructure for all programs and at all the OU. And we will do this in the coming years. But still, this whole process of innovation, of renewing the bachelor and master programs and all the other educational offerings will still be a big challenge for us. So this is what I wanted to say. I can even not access my last slide, but it says thank you. So the floor is open. Thank you very much. Merci beaucoup. OK. Donc, merci beaucoup, M. Copper. On arrive maintenant à la période des questions, des discussions. Si vous voulez prendre la parole, je vous invite à lever la main avec votre outil que vous retrouvez au niveau des outils juste en haut des options personnelles. Vous pouvez également utiliser le clavardage. Voilà, je vois qu'il y a déjà une question. Je vais la lire pour qu'on puisse l'entendre et éventuellement la faire en donner l'interprétation au besoin. Vous excuserez mon anglais qui n'est pas toujours adéquat. How do your students at OU respond to the MOOC and OER thus far? Yeah, is my microphone still working? I say, yeah, I see it. Yeah, we do a lot of evaluations. We have specific types of MOOCs that we offer. We call them online masterclasses. And we also combine online masterclasses for larger MOOCs, which run a couple of months, which typically have 4 to 6 or 7 masterclasses and asynchronous activities in between. What we try to do is to take care from the very beginning onwards of the active participation of students, of the possibility that they can pick and mix what they want from the offering. So we do not require that they do everything, but we deliberately plan that people with a little bit of time can do a little bit, and people with a lot of time can also do a lot, and people with little pre-knowledge can have some benefits from some resources, and people even in the research area involved in that in the different topics can also find what they want. So it's a lot of design planning which has to be done by designing such a type of MOOC on these various dimensions. And because we monitor all the time, and we did this now for about 50-60 different MOOCs, and all the time we've evaluated what people want, how they felt about the offering, what we should change. And so it was a slow process in changing everything up until a format that we have now for about half a year, maybe a bit longer, which is an optimal format for everybody on all these dimensions, but still costs a lot of planning and things to do. But the evaluations of the participants are quite well and quite good. And what we see as a side effect also is that people also explore studying at the Open University through these MOOCs and later on enroll in our programs, which is a side effect we didn't expect, but which happens. We have another question at the on the chat. Yeah. Okay, go ahead. Yeah, it's in Dutch. Everything the Open University of the Netherlands provide its programs in Dutch only. That means for all the master and bachelor programs, and so also for the MOOCs.
This limits also the amount of the M of MOOC, of massive. That means that our participation is typically between 300 and 700 people. Yes, Marcello, go ahead. Okay. Thanks a lot for this wonderful presentation. I'm from the Open University of Catalonia, so we are facing same issues here and struggling about finding a business model that allows us to respect the principles of open education at the same time being able to keep on as a university. So if I'd like to ask you about this model, is this a kind of freemium model where you provide the student with a taste of the courses? I can understand it from the institutional point of view and from a business model point of view, but I'd like to know something, or if you have any clues about the interest of a student in going there. Why students go to taste those things? And do you think they can get out from there with something that is useful for them? I not completely understand the question. Well, the idea is that I completely understand the position of the institution with these kind of freemium models, where we try to find a way to survive in this new environment, worldwide environment. But on the other hand, if you give a taste of the courses, which are the real interests of the students to go there? Are you really engaging more students now? Are they feeling comfortable with this and happy to go through these bits of courses they get? If they do not enroll in the courses, which are the interests of the students to go there to just to taste courses or? Yeah, okay, now I understand now. I don't know whether we can speak jointly or is it after each other. Both microphones are open, eh? I close. No, I try to answer. You are reacting on what I showed you here, eh? This part of the OER. You're right, this part is, when you look at the white users, this is the freemium model. But not for the blue users, they just pay. They pay a yearly subscription plan, and then during this yearly subscription, it's a limited amount of money, they get access to all the courses in a certain area, like psychology or law, or what their interest is. They get free masterclasses, which are originally developed for them, and all other types of facilities, so even access to our scientific library, and access to research discussions with our research groups. We ask a little payment from them. It's about 10 euros a month, so it's not a lot, because of several ideas. Not to refund what we need to offer to provide this offering, because for this reason it's too less, but to select people in their seriousness in participating or in wanting this with us, because we see in the white group that we really attract many people, 10,000 and 20,000 people, but we also see that there are all types of persons we cannot really give what they want, so they are not very tuned to the offerings and that we can provide as a university. And then we have also other types of offerings. So what we do is typically split these target groups in several business models and several types of services. I don't know whether this answers your question, but this is my understanding so far. Thank you. And I see that John Ron also had a question. You can speak, John, or just use the chat.
Thank you, Carol. And thank you, Rob. Always a pleasure to hear Yeah, you hi, talk Carol. on such things. Hi, Rob. You mentioned at the start, I think, a very important point about the significance of technology in determining how an institution works and how it's important to orchestrate, I think, the pedagogies, the processes, and the technologies. The technology that you describe, I think, is great. And I know we have talked about it before, so I know a little bit about it. But it has some very strong values embedded in it, particularly with regards to openness, with regards to the value of social engagement, the value of sharing things with others. And I was interested in your last comment about the challenges of getting the whole institution on board with this. And I was wondering whether you have any problems. In fact, I'm almost sure you must have, with people who are resistant to the values that are kind of built into the system. Does that make sense? Yeah, you're completely right. It's maybe no surprise that, especially for instance, a faculty of law is the most resistant faculty because they're quite resistant to the fact that materials are provided open. I don't know how it is in your countries, but in the Netherlands, although all the laws are made in the public atmosphere by our parliament and ministries. When you want to have a printed version of a law, you have to pay quite a lot to publishers. There's one publisher who has a monopoly on printing all these laws and all these law books also in Dutch, and they earn an enormous amount of money and are also resistant to everything which they provide in the open, like SOAR, and people in the law faculties say that they're very restricted and feel very limited when these publishers, who typically own the copyrights, are not participating in providing their part of the education as open materials. So what they simply can do is provide materials which they created themselves, but never something which is under the hood of a publisher. And this makes this for them quite an unworkable model. Yeah, we have to find a way out there. What we sort of is to make several streams, so do not deal every discipline in the same way. So we accept that the Faculty of Law will never go so far with providing OER than other faculties like computer science. Is Thank you. this a kind of answer you were It is, expected? and I it is a problem that I think we all share, and it's always a tension, I think, between the centralization and the value of centralization, and the fact that people are very different, and communities are very different, and different networks are different. I'd be very interested to see how this works out in the long term as you move on to more faculties. Thanks, Rob. Yeah, but yeah, okay. One additional remark is that also because we still have these challenges, but there's quite a strong top-down steering in our university. That's not always the case, but in these periods it is. So already the Faculty of Law, but also all the other faculties, have redesigned their master programs, which will be launched in September 2014, so in a couple of months, in the new format. So it is still, although there is resistance, there is still a lot of collaboration also at the same time, and people are aware that this is the direction we are aiming at. Excellent. Thanks, Rob. I see a remark in the chat. Can you add something to this?
Marcella? I saw that Claude Podvin had her hand up. So Claude, you can speak or use the chat. Thank you, Carol, but I think Marcello wrote something before me. Je suis désolée. Yes, in the chat, there's also a question from Marcello, and with a lot of potential thinking about mock sustainable models. Yeah, but it's a remark, not a question, eh? Mais c'est. Yeah, Sorry. exactly. I'm talking. I just wanted to ask you if you can develop a little bit further this idea of credit points, I think you mentioned, and voucher system, because it's like it's kind of peer-to-peer, huh? Support and credited. And I found that probably with a lot of potential for more sustainable models. I'm thinking about it, but I like to hear something else about how you implement this idea. There's a long history, as you know. There is the token economies has its roots in social exchange theory, which has its roots somewhere in the 1930s. So it's quite a long history there. And we are also working on this quite a long time to find out what the best incentive mechanisms are to support informal networks and peer support among students. And what we implemented now is again one solution, and we hope that this on the long term will be a good working solution. And this is the following: every student who is enrolled in the system gets a wallet in the system, a secured wallet, which is connected to their to our student administration, where also the payments of students for the enrollment in courses is handled. And when you enter the system, you immediately see how much credits you have. This can be one, two, up to whatever you have. You can buy credits, you can get credits, you can exchange credits to others, you can have anonymous credits, which, for instance, schools can buy to provide to their teachers to do some lifelong learning courses with us. Etc. And that's implemented fully at the moment and also used about a year now. And also a couple of schools already has bought 80 or 150 of these vouchers with credits on it, which they give to teachers for their for participation in the educational faculty. There's in the informatics, the computer science parts, there are is use of these type of vouchers. And we also provide vouchers, but it's experimentally on two students for certain services they deliver in the network. And quite recently, we've added this peer support tool, which I mentioned, where people can answer questions of other students based on certain algorithms. And we are at the moment exploring how we can support them with vouchers, with credit points also. But this is very young. But technically, this is fully developed and there. But functionally, and the way we should use this within the network to stimulate everything is just a thing we have to we not only we, but also the students themselves and the teachers who can also provide vouchers as to yeah, evolve in the coming period. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Claude. Vas-y. Dr. Copper, I wanted to learn a little more about the next point on slide 9, just after the credit point in voucher system. The item was a collaborative course development system. I wanted to know, well, is it a homemade system, and what kind of collaboration does it provide? Yeah. The system is based in everything on the OpenU portal is built in Liferay. Liferay is an open source
platform, open source portal platform. But the course development system is a couple of portlets which we developed within Liferay, which are connected to a wiki. So the collaboration is wiki-based, and so it means it keeps history. People can add learning activities, learning content, everything within the wiki, and structure this and restructure that. And people can also invite people, other people, to contribute or to edit what others have done. And this is the whole idea of this collaborative course development system. But when you look at in practice, that the courses we at the moment have developed within our university still follow the traditional model of a team of teachers. This is also kind of collaboration, but not collaboration with students, are developing these courses, and then they are launching them on the platform. That's their idea. But what happens actually is also that when they do not close, because the teachers can decide whether students can react or can enter content or whatever, but when they forget to close the system, then you see also a lot of student comments and involvement coming into the system, which is very nice to see. But for most of the teachers, this is still a thing they don't want, because from a quality control point of view, but also because of time management, they want to create a course once and then have it in the runtime untouched. Because all these comments and reactions from students cost them a lot of time to read and to correct. And that's their attitude. But I think this is a temporary thing, because from the quality, it just adds a lot of benefits to it, instead of that it deteriorates the quality. I hope this was what you were aiming at. So it's a wiki, there's a structure. Actually, this tree structure is connected to this wiki. You see here, when you click on study task one, it launches the item in the wiki, which is connected to study task one. And also this part, here it says voeg item two, which means I can add an item, I can add export items, and I can rearrange this tree. And this is also a kind of structure in which the wiki pages are structured for the students. I'm not sure to if I understand well the name of the core product you're using. Is it Liferay? I type sure it in the chat. Okay. And did I understand well when you said that students could access this collaborative development system too? It's pretty surprising. I don't hear you very. Can you repeat this, please? The audio was a bit. Did you say that students could access this collaborative development system too? But the rights management can be changed by the teachers. So that's only when the teachers allow this. Pretty surprising, but interesting. Yeah, your audio is falling away. Yeah, Claude, je pense que si, je ne sais pas si tu avais terminé ta phrase. Said that it was surprising but pretty interesting. Thank you. Yeah, okay, thank you. There's a last comment from John. On the green, you read it at the chat. And that would be maybe the last thing before the next presentation? No, it does not, John. The vouchers actually represent money. They represent a value.
And that means that they are also, so I don't know by head, but I think at the moment every voucher is 2 or 3 euros, which is a fixed, so we also handle it as a wallet and as money. So money is the standard which we use. That was it. Okay, we're done now, so we have to go to the next presentation. Thank you very, very much, Dr. Koper. It was really interesting, and I'm sure a lot of people from us would like to know much more detail now that you just gave us a few information that it's quite, in a certain way, surprising for us. Of course, I think I have tons of questions now, but we will have to do it another time. Now I'm going to present the second presentation. So, and I'm going to switch to French. So, if somebody needs to have translation, they have to go to the interpretation system. Donc, Monsieur Mayana, et j'espère, je m'excuse à l'avance si je prononce mal le nom. Donc, M. Mayana donne des cours sur l'apprentissage en ligne à l'e-learning center de l'Université ouverte de Catalogne, l'UOC. En tant que chargé de cours, il coordonne les cours du programme d'éducation et d'éthique et enseigne à la maîtrise en éducation et en TIC, en apprentissage en ligne. Il est titulaire d'un BA en communication et en éducation de l'Université nationale d'Entre Rios, d'Argentine, et j'espère que je l'ai bien prononcé, d'une maîtrise en sciences de la communication de l'Université de Montréal et d'un doctorat sur la société de l'information et de la connaissance de l'Université ouverte de Catalogne à Barcelone. Sa thèse sur la conception de l'apprentissage est axée sur l'échange de pratiques de conception. Ses recherches portent sur des sujets comme les méthodes et les outils de conception de l'apprentissage, la formalisation de différentes approches pédagogiques, l'apprentissage personnalisé, les ressources et les pratiques éducatives libres et les écologies d'apprentissage. Il est membre du groupe de recherche et du lab au sein duquel il poursuit ses travaux de recherche. Je laisse donc maintenant la parole à M. Mayna. Contrôle oui. des diapositives. Je pense que j'ai bien configuré l'environnement. Est-ce que vous m'entendez bien? D'abord, je voulais remercier l'association pour m'inviter et avoir la possibilité aussi de partager ce moment avec M. Rob Koper, qui était une grande inspiration pour ma thèse doctorale. Donc, c'est un grand plaisir de partager ce moment avec lui, de pouvoir lui parler aussi. Petit mot pour vous dire aussi que j'ai appris mon français au Québec, donc vous allez pouvoir entendre aussi ça ou reconnaître ça, même s'il y a à la base l'espagnol de l'Argentine. Le français, il est là aussi. Le français québécois, il est là. Je voulais dire quelques petits mots par rapport à l'université où je suis. C'est une université qui est située à Barcelone. Ça, c'est la maison principale de l'université. Je suis dans un autre building assez moderne aussi, dans un quartier plus proche de la mer, mais c'est la ville de Gaudi. C'est une belle ville ici. J'ai travaillé pour l'université qui a été créée en 1985. On est dans notre adolescence à ce moment-là. Et la caractéristique de cette université, c'est une université ouverte, qui est né avec le web. Donc, l'expérience est née aussi avec l'Internet et l'université est née aussi avec un environnement. Quelques peu d'informations par rapport à notre université. Nos étudiants sont des gens qui travaillent normalement. Quoique, on assiste de plus en plus à
à le phénomène des étudiants les plus jeunes qui se joignent à l'apprentissage en ligne. Et on couvre toutes sortes de degrés, des premiers cycles, deuxième cycle, troisième cycle, en différents domaines. Et nous avons à peu près, maintenant il y a un peu plus d'étudiants, 60 000 à peu près, et on a plus de 400 professeurs et plus de 2800 tuteurs. Pardon, plus de 200 professeurs et 2800 tuteurs. Et comme toute université, on a une université qui offre des programmes de formation, mais aussi qui est axée sur la recherche. Et pour ça, on a des niveaux on a des degrés du deuxième siècle et du troisième siècle. Et on participe à beaucoup de projets de recherche. On est comme une université très axée aussi sur la recherche. Et la recherche du type de formation qu'on donne aussi. Donc, l'e-learning, ça fait partie des intérêts de recherche en particulier. Nos étudiants sont un peu répartis par le monde, ça c'est un graphe qui n'est pas trop représentatif en termes de nombre, mais pour vous dire qu'on a des étudiants un peu partout le monde, mais plus concentrés au niveau de l'Espagne et de l'Amérique latine, car on offre des cours plutôt en espagnol et catalan. Donc, je vais, par conseil, Monsieur, Madame Carole, je vais juste vous interrompre. Oui, je veux juste vous demander de maintenir un débit un petit peu moyen, un petit peu plus Parfait. Lent. Et je vais probablement fermer aussi ma caméra, hein, comme vous m'avez conseillé à l'avance. Comme ça, vous allez pouvoir me recevoir mieux. On avait fait des tests et on avait décidé de travailler de cette façon. Donc, je voulais vous parler aujourd'hui du rôle ou du profil du concepteur pédagogique en Espagne. Tout au début de dire que ce n'est pas facile de tracer un portrait clair du concepteur pédagogique, car c'est une profession qui n'est pas très connue, qui n'a pas les parcours qu'il y a en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada. Mais c'est plutôt nouvelle. C'est une nouvelle, un peu méconnue, et qui est, comme je dis dans les titres, un peu bouleversé par les derniers événements qui arrivent en Europe par rapport à la crise. Pour faire cette présentation, c'est une belle occasion de faire une courte recherche qu'on ne faisait pas depuis à peu près 2 ans. Et ça m'a permis aussi de clarifier un peu le portrait actuel du concepteur pédagogique, qui est en changement. C'était très subtil de ce niveau-là, mais pour vous dire un peu qu'est-ce quels sont les déclencheurs, quels sont ces événements qui ont fait ressortir la profession du concepteur pédagogique et de la faire connaître, bien qu'elle n'est pas reconnue en tant que concepteur pédagogique, mais qui est connue par d'autres noms comme développeur, par exemple, ou enseignant et spécialiste en design, ce type de dénomination. Mais des déclencheurs qui ont fait que les besoins au niveau social et au niveau des différentes organisations, parce qu'ils reconnaissent les concepteurs pédagogiques, était l'arrivée de l'Internet et l'arrivée des technologies mobiles et la popularisation des technologies au niveau de l'éducation. Donc, comme vous le voyez, par rapport à la tradition américaine ou canadienne qui commence beaucoup plus tôt, ici en Espagne, cette besoin ressenti vient de la main avec l'Internet. Donc, c'est un phénomène qu'on ne pourrait pas dire nouveau, mais plus ou moins nouveau. Ça, c'est au niveau plus social et en général. Au niveau des entreprises, le besoin de profils semblables ou qui ont des caractéristiques propres à un concepteur pédagogique a été au niveau des entreprises. Cette nouvelle porte qu'ont ouvert les technologies par rapport aux affaires avec la formation. Il y a eu une grande explosion des demandes de formation au niveau des petites et moyennes entreprises, surtout aussi par l'appui du gouvernement, en permettant aux entreprises de déduire de leurs dépenses la formation de leurs employés. Donc ça, c'était un facteur très important qui a fait aussi grandir la demande au niveau des concepteurs pédagogiques.
Et on a vécu ça ici par rapport au nombre d'étudiants qui viennent dans nos programmes ou dans d'autres programmes de formation chercher le développement de cette compétence que le marché nécessite. Et aussi l'expansion du learning dans les institutions d'éducation. Il y a eu plusieurs incentives au niveau du gouvernement, mais aussi par les propres forces du marché qui ont introduit les différents types de technologies dans les organisations et dans les institutions de formation. Donc, ces besoins aussi ont fait grandir, c'est-à-dire prendre conscience de la nécessité d'avoir des concepteurs pédagogiques au niveau des institutions d'éducation. C'est sûr que si je peux faire un peu une comparaison avec ce qui se passe en Amérique du Nord, avec ce qui se passe en Europe, surtout en Espagne, je me dirais plutôt me centrer en Espagne, il faut dire que la perception générale au niveau des institutions de formation est que l'instructional design est associé à une conception plus ancienne de la formation. Il est perçu comme dans les écoles d'éducation et comme une approche plutôt behavioriste. Et non, c'est-à-dire qu'ici, il a impacté, il y a une connaissance très ancienne du début de l'instructional design en Amérique du Nord, mais la suivi n'a pas été faite. Donc, c'est sûr qu'il y a un grand débat au niveau de la reconnaissance de l'instructional design comme discipline en tant que telle. Mais il y a un courant plus européen du learning design qui a fait renaître cette reconnaissance au niveau des institutions d'éducation. Donc, au niveau conceptuel, a fait que la façon dont on peut plus faire visible nos programmes et montrer au niveau des institutions que c'est un domaine très important, c'est de changer un peu les cadres et l'approche à la conception pédagogique par de nouveaux développements autour du concept de learning design. Mais c'est sûr aussi qu'au niveau de la crise économique, c'est l'autre défi qui va changer un peu la demande et les types de profils des concepteurs pédagogiques. Je vais m'y approfondir un peu plus tard sur deux façons de percevoir la conception pédagogique et de l'identifier au niveau des demandes sociales. Par rapport à la formation, par contre, on peut dire que c'est par des questions probablement des traditions au niveau universitaire, les étudiants viennent chercher surtout une formation à plus haut niveau. Donc, on n'a pas des programmes, généralement des programmes du premier cycle qui touchent plus directement ou moins directement les notions de concepteurs pédagogiques. Par contre, on les trouve au niveau des spécialisations. Et dans les dernières 4-5 ans, on a vu multiplier l'offre au niveau de la formation, au niveau de la maîtrise. J'ai mis ici 4 exemples au niveau universitaire, des programmes qui sont comme les nôtres entièrement à distance, ou des programmes offerts en conception pédagogique sur des modèles hybrides, ou ce qu'on appelle « blended learning », et avec certaines orientations qui les font différencier. Par exemple, dans notre cas, on est très axé sur la notion de instructional design, learning design, tandis que dans d'autres programmes aussi, des notions de développement et d'apprentissage à l'usage de certains outils est très important aussi. Comment ça se passe au niveau de la demande au niveau des institutions d'éducation, où vont nos étudiants une fois qu'ils ont fini leurs études. Donc, il n'y a pas une grande demande au niveau, ce qu'on pourrait dire au niveau de l'école primaire ou l'école secondaire. Par contre, il y a au niveau des universités et dans toutes les universités, des instituts de sciences de l'éducation qui emploient
il y a plus de conscience dans certains instituts que dans d'autres, qui emploient les étudiants qui finissent une maîtrise orientée vers la conception pédagogique. Ce sont des endroits où ils peuvent développer leur carrière et c'est une place très riche où ils peuvent expérimenter, ils peuvent supporter comme unité l'innovation et l'amélioration des cours. Surtout si on pense que dans les dernières années, la formation en ligne devient de plus en plus répandue au niveau des institutions d'éducation supérieure. Il faut dire que les institutions d'éducation supérieure, par la plupart, sont des institutions qui offrent une formation en présence. Mais au cours des dernières années, je pourrais dire à partir de l'année 2012, quelque chose de très récent, et avec l'explosion de ce que parlait M. Rapkoper de MOOC, la demande au niveau des étudiants et l'offre au niveau des institutions de la formation en ligne a accru énormément. Ça fait qu'il y a comme une place, même si on vit dans une situation de crise, il y a une place pour les profils du concepteur pédagogique au niveau des institutions d'éducation supérieure. Au niveau des entreprises aussi, il y a une organisation, c'est l'Association des fournisseurs d'e-learning. Cette association est représentative de la plupart des entreprises en Espagne qui offrent, qui font de la formation en ligne, qui offrent des produits de formation en ligne. Par contre, si on fait un parcours un peu historique des années 2005, 2004, 2005 au présent, on peut voir un peu que cette demande a diminué significativement. Et ça est lié strictement à l'effet de la crise qu'on vit présentement. Donc, les profils s'est vu un peu touchés et en faisant une série d'entrevues, j'ai pu constater que les profils qui étaient les plus liés à la conception pédagogique, que je voulais marquer ici au niveau de dans les milieux, c'est ce profil expert en conception, ce profil d'un concepteur pédagogique expert en théorie de l'apprentissage et capable de traduire cette théorie dans de expériences d'apprentissage significatives, est perçu comme moins important. Il y a eu comme un déplacement de cette profession vers deux pôles qui sont assez opposés. Il y en a un au niveau des grandes et moyennes entreprises où ils privilégient un profil cadre. Et par contre, il y a un autre profil qui est devenu de plus en plus important, c'est le profil développeur. Ce profil qui demande des compétences plus techniques des personnes qui sont capables de délivrer un produit final, en détriment de la reconnaissance de l'expertise au niveau de la conception en tant que telle. Pour vous donner un peu plus de détails sur ça, les milieux de cadre, c'est sûr que c'est des personnes qui sont situées au niveau des entreprises, petites et moyennes entreprises, l'équivalent en anglais de ce qu'on appelle les Chief Learning Officer, qui travaillent en rapport avec tous les niveaux cadres de Chief Executive Officer. Et qui ont aussi une relation avec les clients. Au niveau des entreprises, ils vont demander, comme j'ai pu remarquer au niveau de la formation, une maîtrise en éducation en pédagogie, mais c'est aussi important qu'ils puissent démontrer une certification en gestion de projet, ce qu'on appelle Project Management Professional. Mais ce qui est bizarre, hein, particulièrement, je trouve un peu spécial, c'est qu'ils demandent à ces gens-là, au niveau directif, qui sont aussi experts au niveau du développement des projets, qui ont des connaissances en conception pédagogique poussée et qui soient capables aussi de faire une veille technopédagogique pour situer l'organisation où ils sont à plus haut niveau. Les types d'attentes qu'ils ont par rapport à ce type de profils plus cadres, c'est des solutions de formation plus liées à la gestion de la connaissance dans des entreprises, la gestion du changement ou ce qu'on appelle la gestion du talent.
Ils sont très impliqués dans le développement des projets stratégiques. Et bien sûr que le type de demande aussi en termes de produits a changé. Avant, il y en avait une formation plutôt standard qui était offerte. Maintenant, il y a demande de plus d'informations sur mesure. Ça demande des professionnels très habiles à savoir répondre de façon efficace et rapide à des demandes spécifiques en faisant des produits qui doivent garantir un retour de l'investissement, mais aussi répondre à des besoins assez spécifiques. Voyez-vous que ça se complexifie, mais le défi est aussi intéressant au niveau de ces profils. Et dans l'autre, quand on trouve les pigistes, c'est les freelance, comme on a dit. Et les étudiants qui finissent nos programmes aussi, ils entrent dans les marchés du travail au niveau de maisons d'édition. C'est encore des organisations qui demandent ce type de profil. Et encore aussi les ministères et les écoles qui demandent des produits finaux. Donc, les types d'attentes qu'ils ont par rapport à ce type de profil du concepteur pédagogique, c'est bien sûr de pouvoir fournir une solution éducative efficace disons, orienté vers les buts très spécifiques, mais aussi, ça ne suffit pas de donner ce qu'on pourrait dire une solution au niveau d'un bon dossier détaillé, mais aussi d'un besoin un profil qui soit capable de développer des contenus, de fournir des produits en tant que tel. Donc, à la formation préalable d'une maîtrise en éducation et en pédagogie, il demande aussi une expertise en développement. C'est-à-dire des compétences techniques très avancées. Ça, c'est une sorte de donnée très importante pour nous, développeurs de formation de concepteurs, parce que ça signifie aussi une difficile solution au niveau de la formation qui doit contempler tout l'aspect de conception et de l'apprentissage, mais aussi certaines compétences instrumentales et techniques par rapport au développement des produits. Parce que les produits qui sont demandés sont des solutions qui soient déjà mises à la main, mais aussi faciles à utiliser. Donc, ils doivent maîtriser certains outils pour fournir un produit final. Bien sûr, ils ont besoin de connaissances en pédagogie et des connaissances en gestion de relations avec les clients, c'est-à-dire des compétences et des attitudes par rapport à la relation avec les clients. Certains des personnes, des concepteurs que j'ai interviewés aussi, disent que les clients, surtout les gouvernements, ministères et écoles, valorisent beaucoup une expertise en enseignement. C'est une expertise valorisée aussi. Donc, je pense que c'est bien dans mon temps. Je pourrais dire pour conclure que les besoins sont ressentis, mais la profession est méconnue. Autant au niveau d'une formation très spécifique, comme une profession bien connue au niveau du marché du travail. La demande ne vient pas nécessairement du côté conception, parce qu'elle est perçue comme une sorte de boîte noire. C'est une sorte de. On comprend bien les besoins d'éducation, on veut les produits finaux. Mais cette expertise qui a en choisir une bonne méthodologie, à des approches pédagogiques, à des solutions didactiques, c'est un peu comme perçu comme la partie soft, on pourrait dire. Et ça, c'est pas très bien compris par les clients en général. Donc, c'est ce qu'on a remarqué dans mes dialogues avec les concepteurs pédagogiques. La technologie et la crise peuvent être vues aussi comme un défi, peut être vue de façon positive comme un défi et une opportunité. Mais nous, en tant que institutions de formation, on doit aussi repenser le type des programmes qu'on offre pour bien ajuster à la demande autant de sociale que des compagnies et des institutions. Donc voilà, grosso modo, c'est un portrait du concepteur pédagogique en Espagne comme profession qui n'est pas connue comme telle.
n'est pas, vous n'allez pas trouver dans un journal, vous n'allez pas trouver dans un site de recherche d'emploi, un portrait ou un profil clair qui dise concepteur pédagogique. Vous allez le trouver dans d'autres dénominations, mais d'être capable, ou la personne qui a, nos étudiants, d'être capable d'identifier ces endroits-là pour appliquer et bien traduire en des mots qui peuvent être compris par les demandeurs, les profils qui sont capables de combler. Donc, je pense que je suis bien dans mon temps et je peux laisser ouvert maintenant. Ça m'intéresse beaucoup de savoir si ce parcours-là est très différent de votre réalité ou vraiment il y a des semblances au niveau général aussi. Il y a des points en commun qu'on peut trouver. Donc, un gros merci et on continue la discussion. Merci beaucoup, Monsieur Maina. En attendant que les personnes lèvent la main pour intervenir, je vous remercie beaucoup. C'est un portrait assez intéressant sur les concepteurs pédagogiques. On n'a pas très souvent l'occasion de savoir ce qui se passe ailleurs. Je vois que Claude a levé la main, alors je lui laisse immédiatement la parole. Hello, ça me fait plaisir de t'entendre. Merci pour cette présentation. De ton micro, tu peux-tu lever Oui, est-ce qu'on m'entend mieux? le ton micro parce qu'on t'entend pas beaucoup. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui, c'est parfait. Alors, donc bonjour Marcello, merci pour cette présentation. Je trouve qu'il y a beaucoup de points communs effectivement avec le Canada, donc la non-reconnaissance de la profession, entre autres. On a encore beaucoup de chemin à faire, je pense, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, il semble. Ma question, c'était sur la diapositive 9. En fait, Marcello, tu as parlé de plusieurs lieux où les concepteurs seraient appelés à travailler, mais les formations elles-mêmes, est-ce qu'elles sont issues, parce que tu as présenté quatre programmes qui étaient offerts actuellement, tu les as présentés rapidement et comme j'ai pas eu le temps de décoder parce que mon espagnol n'est pas très bon, est-ce que tu pourrais nous dire si ces programmes sont liés à des facultés d'éducation ou plutôt à des facultés d'administration, par exemple, ou même d'informatique? Parce qu'il y a, quand tu parlais des compétences en termes de cadre, il y a des compétences en termes de nombre. Des connaissances de l'ordre de l'administration qui sont en jeu. Oui, ah, très bonne question. Est-ce que tu peux Bonjour Claude, on se connaît. Oui, ils sont liés à des, normalement, à des départements d'éducation au niveau des institutions. Peut-être, ce que je peux remarquer de notre programme, peut-être aussi parce que je les connais bien en profondeur, c'est que notre programme de maîtrise en éducation éthique et e-learning, il y a quatre volets différents, dont un qui est axé recherche pure et dure pour ceux qui veulent continuer au niveau du doctorat. Mais il y a aussi trois volets qui sont plus volets professionnels. Il y en a un lié à la conception en tant que telle. Il y en a un plus axé sur l'enseignement en ligne. Il y a un autre qui aborde la problématique de la gestion du projet, on pourrait dire, autant au niveau stratégique qu'au niveau opérationnel plus pratique. Et quand je dis cette troisième branche, elle est liée plutôt à ce niveau-là que je parlais de concepteur pédagogique compris comme un professionnel cadre au niveau de cette entreprise qui aide à prendre des décisions. Autant au niveau stratégique de l'institution, de quelle sorte de formation, quel type de modèle privilégié, par exemple un modèle complètement en ligne, un modèle blended, des capsules d'auto-formation,
d'autres solutions plus novatrices, comme la gestion de la connaissance par des outils puissants au niveau de l'organisation pour les transferts d'expérience, ce type de choses, non, à ce niveau-là. Mais ce qui m'a surpris de parler avec deux personnes en particulier qui agissent au niveau des grandes entreprises et moyennes entreprises, c'est qu'ils ont demandé aussi d'avoir beaucoup de compétences au niveau de la conception et des projets, conception des projets de formation en ligne ou de formation mixte, hybride, et des connaissances aussi en pédagogie. Donc, on voit que c'est un marché restreint qui demande de plus en plus de compétences à ce niveau-là. Donc, il y a un vers un côté et l'autre vers le côté plus haut de l'entreprise et l'autre plus pigiste qui n'est pas très bien payé et dont la demande est beaucoup plus à faire sur des connaissances au niveau de la conception, mais aussi du développement. Donc, nos programmes, les programmes dans notre cas, engage aussi des professeurs de différents départements. Donc, bien qu'il est mené par le département d'éducation et psychologie, dans les programmes et dans les parcours de programme, on engage des professeurs de différents domaines, comme en économie et aussi en communication et en sciences en informatique. J'ai vu d'autres programmes au niveau de la conception pédagogique qui font pas autant, ils appellent ça conception pédagogique, mais quand on regarde les détails du programme, on ne trouve pas énormément d'efforts à ce niveau-là, des cours qui visent la conception pédagogique autant comme problématique de recherche, comme sujet à questionner et à faire évoluer. Mais plutôt axé sur des aspects plus médias, si on veut, beaucoup de réflexion sur la formation à partir des médias, que je trouve un peu hors date, d'une façon ou autre, ou très axé sur une certaine approche très spécifique, comme par exemple des programmes axés sur les réseaux sociaux, comme si ça donnerait la possibilité de faire tout en maîtrise avec ces réseaux sociaux comme tel. Donc voilà, je pense que c'est assez éclectique à ce niveau-là, mais c'est surtout les facultés d'éducation et psychologie qui sont responsables pour ce type de programme et des pédagogies d'éducation plus à l'ancienne, donc où toute la courante instructional design avec toute son évolution n'est pas très touchée. En plus, il est des fois un peu questionné comme est-ce que c'est de la vraie science ou ce type de questionnement encore. Sûr que ça pose la question effectivement de la reconnaissance de la profession et du besoin d'évolution des facultés d'éducation par rapport à la discipline aussi. Alors, merci beaucoup. Merci. N'allez-vous pas lever la main ou prenez la parole dans le clavardage? En attendant que quelqu'un lève la main, j'aurais peut-être une petite question aussi. Je vais essayer. Je sais que tu viens d'expliquer que c'est éclectique, les profils semblent un petit peu différents, ou en tout cas les intentions sont peut-être un peu différentes. De façon générale, bon, par exemple, ici, on retrouve souvent des concepteurs pédagogiques qui portent le titre de concepteurs pédagogiques, mais qui ont toutes sortes de formations en réalité. Ils n'ont pas nécessairement de formation en design comme telle. Est-ce que tu penses qu'on retrouve cette réalité-là aussi en Espagne, ou au contraire, est-ce que les personnes qui sont employées comme concepteurs pédagogiques, ou quel que soit le titre qu'on leur donne, est-ce que ce sont tous des personnes qui ont un peu la formation que tu donnais avec des éléments en conception, en stratégie pédagogique, en médias? Est-ce que c'est assez uniforme ou plutôt Moi, éclectique? je dirais plutôt éclectique, d'après notre expérience, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent
dans notre programme, ils ont, des fois, on entend certaines discussions dans des forums et on parle un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà au niveau de travail. Ils disent, je commençais, ça fait quelques années déjà ça, mais j'ai, je viens du monde de la biologie, j'ai trouvé ça, bon, l'opportunité de travailler, l'occasion de travailler quelque part. Donc, comme c'est cette boîte noire, comme je disais auparavant, c'est pas bien connu de quoi il s'agit. C'est cette partie soft des solutions qui est difficile à des fois à expliquer parce que les clients, des fois, ils veulent voir les livres, ils veulent voir la vidéo, ils veulent voir, mais ils ne comprennent pas comment c'est important tous ces scénarios qu'ils créent en arrière et que ça, c'est un spécialiste en conception qui peut le faire, un spécialiste qui sait traduire. Des théories de l'apprentissage, des théories de l'éducation dans des vraies situations, des réelles situations, des situations effectives d'apprentissage. Cette partie-là, comme c'est plus difficile à expliquer, c'est un produit plus, je ne sais pas comment exactement le dire, mais plus moins tangible, pour le dire d'une façon, moins touchable qu'un site web quelconque, hein, interactif. Donc, c'est ça. Ça fait que, au niveau de même des institutions d'éducation, au niveau des institutions dont j'ai mentionné ici, je vais mettre les PowerPoints sur votre écran, les instituts des sciences de l'éducation. Si on va dans chacun d'eux et on analyse un peu le profil des gens qui sont là, ils ne sont pas nécessairement tous des concepteurs, il y a plutôt des professeurs. Qui sont là, ou des assistants de recherche, ou c'est une place où les gens vont faire une sorte d'expérience avec d'autres profs et apprendre en même temps. Mais je pourrais dire que ce n'est pas très professionnalisé, si on veut. Donc, je pense que c'est comme un peu partout. C'est une profession qui encore doit se faire reconnaître à ce niveau-là. Mais, pour le dire, pour répéter un peu ce que j'avais dit avant, un usage des technologies efficaces et la complexité du monde aujourd'hui au niveau des technologies, des outils, fait que ces besoins sont les plus ressentis. Par contre, notre obligation comme institution qui offre une formation, c'est aussi de tenir compte que les marchés ne demandent pas seulement des concepteurs. Au niveau de, on pourrait dire, développement des maquettes prototypes, mais aussi des produits finaux. Il doit avoir des compétences assez poussées au niveau du développement et d'utilisation d'outils. Et ça, c'est un défi parce que, comment on fait pour un programme, une certaine limite de temps, une certaine limite de cours aussi qui peuvent être donnés. Le monde de l'éducation, la pédagogie, la conception, c'est assez aussi complexe. Donc, tout enseigner dans un programme, c'est assez complexe, mais on doit faire face à ça. Merci beaucoup pour la réponse. Je suis plutôt d'accord. Je pense que personnellement, si je peux me permettre, je pense que souvent, quand je commence à faire une intervention au niveau des cours avec un expert de contenu, je m'aperçois assez rapidement que l'expert de contenu comprend pas tellement la nature de mon intervention et comprend pas vraiment pourquoi il y a un concepteur pédagogique alors que lui, en tant que professeur ou elle, souvent conçu des cours. Et je pense que c'est seulement après qu'ils s'en aperçoivent. Je vois personnellement cette observation-là aussi. Je fais cette observation-là également quand je m'adresse à des clients privés. C'est pas toujours clair pour eux autres quelle est l'intervention et l'importance du concepteur pédagogique dans ce genre de projet. Et je présume que c'est un petit peu universel comme réaction. Je vois que Claude a levé la main, alors je te laisse la parole, Claude. La question, ça porte sur la septième diapositive, puisque tu as amené l'idée des déclencheurs. Est-ce que c'est une question qui s'adresse aux profs en général, peut-être pas le prof qui enseigne en Espagne?
Est-ce que la démocratisation des technologies, justement, et récemment le mobile, entre autres, fait en sorte que les gens ont l'impression de maîtriser davantage les outils, puis dans le fond, ça diminue le besoin en conception, ou c'est le contraire? Je pose la question parce que dans les années 90, il y a un prof ici, je dis ici à l'Université Laval où je suis, qui m'avait enseigné, le département vivait une décroissance et le prof m'avait donné une drôle de réponse disant « Ah, mais tu sais, maintenant, avec les technologies qui deviennent de plus en plus faciles à manipuler, c'est devenu populaire, il y a moins besoin peut-être de technologies éducatives. » Parce qu'on parlait du programme de technologie éducative. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Je réfléchis un petit peu avant de répondre. C'est difficile à généraliser, mais certains échecs des profs qui croyaient qu'avec la maîtrise de la technologie, c'était assez, fait que cette certaine frustration, des fois, il fait qu'ils rejettent la technologie directement, ou des fois, ils disent, oh, j'ai besoin d'aide, de support. Parce que je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de le faire. Donc, parce que oui, il a l'impression que comme les technologies sont de plus en plus faciles à utiliser, les besoins sont résolus. Mais en faisant des expériences, on trouve que ce n'est pas nécessairement comme ça. Le risque aussi qu'on a en tant qu'expert dans les domaines, c'est que une déception par rapport à un mauvais usage de la technologie puisse faire que les professeurs ne soient pas plus intéressés à la technologie en culpabilisant la technologie comme la responsable d'un certain échec ou des problèmes, d'occasionner plus de problèmes que de solutions. Mais si on pense au niveau d'une... Moi, je pense aussi au niveau de la formation et des professeurs au niveau des universités. On a certaines approches qui font qu'on essaye de travailler sur la conscientisation du besoin de travailler en groupe, de travailler en équipe et d'avoir un support spécialisé. La façon dont on fait ça des fois aussi, c'est de travailler aussi par des témoignages des profs qui ont travaillé avec une équipe et avec un concepteur pédagogique et faire une sorte de transfert ou de communication de l'expérience. Donc, si on parle au même niveau, pour le dire d'une façon ou autre, prof, avec les profs qui apparaît comme le coordonnateur d'une équipe qui a développé son cours, donc ça a des bons résultats. Mais c'est une stratégie plutôt au niveau de convaincre. Mais c'est aussi une stratégie au niveau d'une institution pour pouvoir attirer plus de profs à se lancer à faire de l'innovation. Mais les technologies, on se double. Ça dépend la personne, en fait. Ça dépend beaucoup. C'est la personne qui va déterminer un peu ça. Mais c'est le risque qu'ils disent, bon, comme c'est facile à monter, je peux le faire. Mais quand l'université est engagée et fournissent un support, c'est plus facile à consolider les concepteurs pédagogiques, à les faire reconnaître au niveau de l'institution. Mais il exige d'une stratégie plus importante, de penser comment après faire un échange, comment essayer d'attirer plus de monde. J'ai travaillé à ce niveau-là aussi, c'est le côté humain aussi qu'il faut tenir en compte. Hein. D'études récentes qui démontrent que même si des jeunes natifs du numérique, on a l'impression qu'ils connaissent les technologies, on s'aperçoit que les connaissances sont relativement superficielles. La deuxième chose, je ne m'en rappelle plus. Alors, merci beaucoup. Comme vous voyez, il y a beaucoup de défis. Désolé, j'entendais pas Claude, je ne savais pas que tu étais. C'est beau. D'accord.
Alors, ce que je disais, c'est que maintenant l'atelier touche à sa fin, mais on peut continuer, il n'y a pas vraiment de limite de temps. Mais je vais prendre quelques minutes pour remercier chaleureusement M. Copper et M. Maïna pour leur participation. Je vous invite aussi, j'invite tous les participants à consulter le site web de la CCP pour une biographie plus élaborée que ce que j'ai donné au début. Je voudrais simplement aussi vous dire que le 22 octobre 2014, on va accueillir M. Griff Richard du Kenya et M. Kiman Chua de la Malaisie. M. Chua est avec nous présentement et j'espère que j'ai bien prononcé son nom, pour le deuxième atelier donc de la série internationale. M. Chua présentera le thème « Instructional Design in Malaysia » A Decade of Progress and the Emerging Trends. Les renseignements vont être affichés sur le site web d'ici quelques semaines. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée. Et encore une fois, merci aux présentateurs. Et je répète, on n'a pas à terminer, à couper maintenant. On peut continuer à poser des questions en autant où vous en avez la disponibilité. Il n'y a pas de problème. Que je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. D'après ce que je peux voir, les personnes ont commencé à quitter. Encore une fois, merci beaucoup. Et on se donne rendez-vous pour une autre activité de la CCP. Au revoir.